Salut tous, c'est Noirinho, et aujourd'hui bienvenue dans l'épisode 8 de Half-Life Alyx. On venait de tuer un des gars du cartel, là, qui est ici, qui est décédé. Et donc on ne peut pas prendre l'arme parce que apparemment c'est lié à lui. C'est ce qui est fort dommage. Puisqu'on n'a que deux armes pour l'instant, on a le fusil à pompe et le pistolet. Donc on va essayer de voir où ça va nous mener. Contact, nécrotique, demande position, interception. Oui, bon, ça c'est des trucs qui disent quand ils tirent, quoi. Hop là. Oh putain! Tire d'impacteur. Ouais. Baisse-toi. Pourquoi je me baisserais? Ils m'ont pas vu, si? Fusil à pompe là, ça me fait un peu flipper. C'est toujours vivant. Ça a peut-être dû prendre le viseur pour le fusil à pompe. Nous avons un patienté. Pression avant, ça veut dire qu'ils avancent quoi. Négatif sur visuel. Préparation combat sur couverture. Hey mec, du calme. Arrête de tirer cible ami. Oh putain. Il me fonce dessus. Merde, je sais plus comment refaire ce truc. Comme ça. Mais décède! Putain, mais c'est pas vrai! Je pense qu'en fait, vu que je tire de loin, ça fait moins de dégâts. Milice demande extraction sur Echo 1. Vas-y, viens. Tiens, bouffe. En déplacement, oui, bah j'ai vu. Je suis trop à découvert. Ma vie. Oh putain. Ils font mal, hein. Allez, viens. Viens que je te fasse bouffer du plomb. Je vais te casser la gueule en fait. Eh hey, connard! Je voulais prendre la bouteille, il l'a balancée pour faire diversion et. Hop! Bon, ça n'a pas servi à grand chose vu que j'ai vu qu'il était ailleurs. Opposant en vie. Bah oui, je suis en vie, connard. Plus pour longtemps visiblement, mais je suis en vie. C'est bon? Oh putain. Ah! C'est tout? C'est de la merde! Attendez, j'ai vraiment déchargé là le truc? Oh putain. Il va me falloir plus de vie que ça. Ah mais je suis con, il y avait un truc de vie là par là. J'ai pas déchargé. Bon bah. Ah. Bon. Pas grave, écoutez. Utiliser un remède. On sait ce que ça fait maintenant, c'est pas. Super super cool non plus. Bon, ça c'est un mur, on le sait. Y a pas des résines ou d'autres trucs. Putain. Cet enculé.
connard. Ils ont une bonbonne derrière. Je me demande si on peut faire un truc avec. Ok, c'est pas sur moi qui tire. Mais si je reste là, ça risque d'être le cas. Mais ça, c'est une grille d'émancipation, c'est-à-dire. On peut pas me tirer dessus depuis. Si, on peut. Et ils peuvent passer à travers! Ok, 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 ok. Ok. Aïe! Merde! Si bonne munition gâchée. Et enculé. Les zombies, je peux les gérer sans souci, mais là, dès que ça peut me tirer dessus. Je sais pas combien il me reste de. Ouf. Je crois que c'était le dernier. Attends, mais parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Non. Attendez, il reste des munitions dans ce truc. Ils ont pas des chargeurs sur eux? T'es gros. Toi aussi t'es gros. Bon. Est-ce que je peux passer par là? Non, je ne peux pas. Il va falloir que je trouve un mécanisme du coup. Ah bah attendez. C'est pas avec le multi-outil ça? On peut voir ça? Non? Non, bon, on va pas. Ah oui, il y avait le métro, on pouvait passer par le métro. Je suppose que c'est la suite. Remarque. Attendez. remarque comment ils ont éliminé les zombies. C'est déjà ça, hein. Je suppose. Remarque, j'aurais préféré que ce soit le contraire, que les zombies les éliminent eux. Remarque. Enfin, je vais arrêter de dire remarque, dis donc. Au moins j'ai plus de munitions maintenant. J'ai moins de vie. Bon, ils m'ont un peu tiré dessus, je pourrais retourner à la vie là-bas, mais ça prendrait trop de temps. La flemme. Ah bah, il y a un truc de vie là, en plus. Qui est chargé. Il y a une petite boîte. Ah oui. Des munitions pour fusil à pompe. Allez, toi. Bonjour. Ah. Plein de vie, plein de munitions. Tout va bien. Tout va bien. Mais je suis quand même plus inquiet qu'avant. Vu que il tape fort. Ouais, c'est pas là que je dois aller? Vous êtes sûr? Ouh. Non, c'est bloqué. Bon. Ok, là, il y a une grille d'émancipation. Enfin, j'appelle ça des grilles d'émancipation, mais c'est pas ça. Parce que sinon. Enfin, c'est pas la même chose. Ça, je peux le casser. Je peux le casser, vous fichez pas de moi. C'est la même texture que les trucs que je peux casser, pourquoi je pourrais pas le casser? Bon bah je peux pas le casser. Alors. Ah là c'est l'endroit idéal pour cacher une résine? Non? Bon, d'accord. Très bien. Ça en revanche... Non, ça a l'air éteint. Ouais. Alors là, je sais pas trop où aller. Ce truc a l'air d'être... Ah bah... Voilà. Il suffisait de regarder un peu. Ça va où? Ok. Ah, donc faut alimenter les deux trucs, en fait? C'est ça? Hop, attendez. Hop, hop, hop. Donc là, ça va vers le bas. Ça va là. Ok. Ah oui, mais du coup, ça va plus par là. Hop, là, ça fait un T. Là, faut que ça aille vers le bas. Là, faut que ça aille par là. Et là, hop, comme ça. Ah bah non, ça marche pas. Ah! Comme ça? Ça va vers le haut, ça va vers là, ça va vers le bas,
Là, ça alimente en bas. Ça alimente. Ça alimente pas là. Ça, c'est obligatoirement comme ça. Ah, voilà. Tu vas avoir assez de temps pour réactiver. J'ai pas eu le temps de lire. Mais il y a un truc à réactiver. J'aurais pensé aux gens qui lisent pas assez vite. Ok, je vais pouvoir arrêter le train juste ici. T'es sûr d'y arriver? Absolument, il faut juste que tu actives le terminal. Super. Après, il faudra que tu sois prête à te battre. Ils te laisseront pas récupérer ton père facilement. Je serai prête. Bon. Ouais, j'essaierai d'être prêt. Hein. Il est tout... Pour que je sois prêt, moi, il me faut des munitions, c'est tout. Des munitions et de la vie. De la vie. C'est important. Donc ça, faut que je tire dessus. Ah! D'accord. En fait, on dévie. Au lieu de passer par là, il va passer là. C'est ça. Et du coup, on pourra les arrêter et faire pampan. Là, c'est ouvert. Ok, voilà le terminal. Je m'en occupe. Dépêche-toi, par contre. Ouais, sauf que non. Je vais pas me dépêcher, je vais jeter un coup d'œil ici. Tu peux pas ouvrir ça? Si. Oh, une pile. Hop. Hop. En fait, peut-être que ça, on peut le détruire en tirant dessus, mais je vais pas essayer. Parce que j'ai pas envie de gaspiller des munitions, si ce n'est pas le cas. Coque. Une énigme? Ouais. Oh! Oh, ça commence à devenir sérieux. Plus ou moins. C'est bon? Non. Voilà, faut juste bien viser en fait. Tiens. Ok. On va faire ça un par un. Il manque un disque? Alors attendez. Il manque un disque visiblement. Je sais pas où le trouver moi. Faut le chercher. Peut-être qu'il manque une pièce. No. Shit, Sherlock. Il manque probablement une pièce, effectivement. La question c'est où est-elle? Probablement ici. Probablement. Il y a un bruit bizarre. J'aime pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. Voilà. Ah! Oh! Et toi, j'ai plus de munitions. Hop, toi, tu m'emmerdes. T'as compris ça? Oh putain. J'espère de ga pas gaspiller de munitions. J'en étais sûr, il est encore vivant cet enculé. Vas-y, vas-y. Comment je peux le tuer ça? Bon. Non! Ah si, il est vide. Ok. Alors là, je vous avouez que je vois pas vraiment comment le tuer. Ça marche bien. Eh oh, petit, petit. Ah! Culé. Merde. Gros gros, un gros gros. Merde. Seulement je pouvais le choper avec. Oh, c'est la réserve supplémentaire. Vas-y, gros gros. Mais tu m'emmerdes. Il faut des réflexes, hein. Vas-y, viens, hein. Toréador. Mais putain! Il m'emmerde! Voilà. Et... Hop, salut!
C'est bon? Bon, on va pas ouvrir cette porte. J'ai la flemme de bidouiller ce truc. Ah! J'arrive à parler. J'ai la flemme de le tuer. Voilà. Plus, ça me fait économiser des trucs. On va tout ouvrir du coup. Là, j'ai vu qu'il y avait le disque. Mais il y a peut-être d'autres trucs, non? C'est que des trucs qui stockent des disques? Même-toi? Même-toi. Bon. Très bien. Hop, 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 hop. Et là, on arrive et la porte est ouverte. Mais il n'y a plus de crabe dans la pièce. Ce serait marrant. Marrant, mais un peu dangereux. Ok, je vais pas t'inquiéter, mais le train arrive. Donne-moi l'accès, ça me prendra juste une minute, tu t'en sors très bien. Ok, tout va bien, tout va bien. Pourquoi ça? Ok. Ok, maintenant relance le système. Ouais? C'est censé se détacher. C'est le contraire de ce que c'est censé faire, Alix. Je fais quoi maintenant? Bon, panique pas. On arrête de paniquer. Je panique pas! Peut-être pas, mais moi oui. Il faut trouver un autre moyen d'arrêter tes trains. Bah, suffisait de défaire les deux villages. Il doit y avoir un autre moyen d'arrêter tes trains. Quand c'est cherché, on n'a pas beaucoup de temps. Bah. Je sens le vide. Ok, faut que je le maintienne. La vache! Oh merde! Oh merde, indeed. J'ai cassé un truc. Oh putain! Alerte unité au sol. Alerte unité de commandement. Code d'urgence nul. Bon, ça a marché. Ouais, ça va. Ça va, allons chercher papa. Il est là-dedans? Dans ce qu'on appelle en anglais un train wake? Oula, je prononce très mal. Un train wreck? Non, laisse tomber, je vais pas essayer, continuer d'essayer de le prononcer. D'accord, cherche le wagon qui transporte les prisonniers. Il devrait être vers l'avant du train. Ok. Hop. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Il faut qu'on trouve mon père. Oh! Oh, un train qui transporte des trucs pas très halal. Hein. Je pense qu'on peut le dire. Bon bah lui il nous posera pas de problème. Au moins. J'ai encore... Ouais, j'ai des munitions en bonus, mais du coup, est-ce que je... Faut pas que j'enlève le chargeur. Il est vide? Le chargeur est vide, hein. T'es bien vide, toi. Je vois aucune balle, je vois du rouge. Pour moi, c'est vide. Oh, d'accord. Quand j'arrive sur la réserve, je peux recharger. Et les balles supplémentaires vont automatiquement dans la réserve. C'est cool, c'est super. Ça veut dire que je peux recharger quand j'ai plus beaucoup de balles. C'est vraiment bien, j'ai bien fait de prendre ces meilleures raisons. Oh, sa capsule de prisonnier de ton père. Oh non. Où est papa? Papa, papa? Papa, je suis là ma chérie. Il faut que tu m'aides, dépêche-toi. Ok. Je vais te tendre la main de te tirer, ça va aller. T'es prêt? Oui, je suis prêt. Donne-moi ta main. Yeah. Tire plus! Non! Papa! Bah là, il est décédé. Oh non. Oh, il y a notre copain! Qu'est-ce que. C'est pas vrai! L'Alix Vance! Je suis venu vous aider, comme je vous l'avais promis. Oh merci! Merci, oh bah putain! Oh. Bouge pas, j'ai trouvé un moyen de te rejoindre. Non, Alix, écoute, ce que j'ai trouvé avec ça, c'est une sorte de super arme. Une super arme?
C'est un gros truc. Ils ont stocké dans la zone de quarantaine dans une sorte de chambre forte, mais ils s'apprêtent à la déplacer. Et je ne sais pas, mais ça a l'air dangereux. Il faut que. Ouais, avant qu'il la déplace. Oui, et regarde, j'ai réussi à piquer ce datapod du cartel. Si j'arrive à décrypter, on pourra trouver un moyen de retrouver l'arme, de retourner l'arme contre eux. C'est quoi le plan? Va à la chambre forte. Je rapporte le datapod à Russell et on se met au travail. Attends, où est cette chambre forte? Papa, où est la chambre forte? Suivez l'étoile polaire. C'est ça, je suis l'étoile. J'ai compris, papa? C'est au beau milieu de la zone de quarantaine et c'est énorme. Prends de la hauteur et vois ce que tu peux trouver. Je vais accompagner Lily Vance et m'assurer de sa sécurité. Pardon. Génial, merci. Il faut que je saute là. Enfin, je vais trouver cette chambre forte. Vas-y. Fais attention, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je vous aime. Merci. Ok. Bon. Hey, Russ. Tu gardes un œil sur papa, hein. Je te préviens s'il arrive, quand il arrive. Ok, alors attendez, je regarde vite fait là. Je pense qu'on est bon niveau temps, non? On va juste prendre ça, parce que c'est bon, on en mange. Ok. Bon, je vais devoir voir pour cet épisode, je sais pas s'il a été plus long ou plus court que les autres, mais je pense qu'il fait une longueur raisonnable. Je sais pas à quoi ça sert. Je vous remercie de l'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous l'avez aimé, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !